Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, que tout commence, abonnez-vous s'il vous plaît. On est bientôt aux 1000 abonnés. Il nous reste un peu moins de 200 abonnés pour atteindre les 1000 abonnés. C'est pas grand-chose, mais je vais pas mal faire sans vous. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez un petit like, un petit commentaire, et ça sera parfait. Donc n'oubliez surtout pas aussi, pendant que j'y suis, en description, il y a deux Discord, mon Discord communautaire qui englobe le multigaming et le Discord de la corporation. Ceux qui sont intéressés par une corporation, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on recrute toujours. On essaie de recruter un maximum de Français pour la suite de Star Citizen qui s'annonce difficile en solo et plus facile en multi. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, jouer en groupe, s'amuser, rigoler, taper des barres comme on va se taper des barres dans cette vidéo et dans les deux autres qui vont suivre cette série, eh bah. Venez, voilà, juste à vous dire, venez nous rejoindre, suivez les indications et le Discord il est dans la description. Voilà les amis. Donc pour cette vidéo, pour cette course, vous allez voir que j'avais mis le trailer de DG Team Rally, deuxième édition. Et bah elle a eu lieu, ça s'est très bien passé. Un peu moins de monde que prévu, voilà, quelques personnes ont dû malheureusement, ils ont eu des imprévus, donc ils n'ont pas pu être là. Donc, c'est pas très grave, la course a quand même eu lieu et on a quand même très très bien rigolé. Ceux que ça intéresse encore, je vous le dis, on recrute pour faire ce genre d'événement. Ça, c'est ouvert à tout le monde, c'est open. Donc, n'hésitez pas à venir. Et du coup, pour ces courses, j'ai décidé de le faire autrement que la dernière fois. La dernière fois, je m'étais mis à part, je parlais en live, tout. Donc, on était quand même en live, mais je parlais quasiment tout seul. Là, on était tous ensemble dans le même channel. C'était un peu moins professionnel. On rigolait un peu plus, on dialoguait un peu plus. C'était marrant. En tout cas, j'espère que le nouveau format vous kifferez, pardon. Si vous aimez pas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça, je pourrais modifier ça pour les prochaines courses s'il y en a d'autres de différents types. On a une autre course en tête prévue pour très bientôt. Donc, si ça vous intéresse, vous me dites. Et selon la façon dont vous aimez que je parle, soit en mode professionnel, soit en mode un peu décontracté avec tout le monde, n'hésitez pas à me le dire dans la description. Donc voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bonne vidéo à vous tous. Ah, il a lancé rapidement le top départ, hein. Bah, vous savez quoi? J'ai un petit pari sur le début de cette première manche à faire, je vais le garder un petit peu pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, début de la première manche de la deuxième course de la DG Team Rally. Donc, on a eu quelques absents, malheureusement, mais il y a quand même un peu de monde. Oh, il y a un petit caillou qui a été pris. Petit jump là, petit jump. Oh oui, là, ça passe devant. Donc là, on va laisser un peu le peloton de tête se faire et on regardera les noms juste après. Même si pour moi, il y en a un qui va être très 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 dangereux. Très dangereux parce que je connais son niveau, je sais ce qu'il a fait à l'entraînement, je sais ce qui s'est passé et je peux vous assurer qu'il va être très très dangereux. Donc là, c'est fait exprès. C'est une partie de la course qui a été prise pour faire en sorte que voilà, ça galère un peu à monter et que ça se joue. Voilà, regardez celui-là, regardez lui là. Lui là, il a mal pris, dommage. Mais là, il aurait dû passer là il avait bien pris. Ça galère déjà, ça fait plaisir à voir. C'est une course très très difficile, hein. Celui-là, il y est presque. Ouais, il aurait dû. En fait, là, il aurait dû faire du gauche à droite. Mais là, ça insiste. Là-bas, ça insiste aussi. Il y en a un là-bas qui est parti carrément au bout. Et là, c'est passé. Hein. Là, c'est passé. C'est passé. Un qui est passé. Voilà, là-bas aussi, ça passe. Dès le départ, je vous ai dit que ça allait faire un trou. Je l'avais dit. Et là, on va avoir du jump, là. Je crois que c'est là les cailloux qui... Non, ils sont pas assez gros. Ça passe, ok, il prend son temps celui-là. Je sais pas qui c'est, mais il a une chance de s'en sortir s'il prend son temps sur chaque épreuve comme ça. Il y en a un deuxième qui vient de passer, je crois. Hein. Non, ok, non, c'est bon. Ils sont toujours bloqués au truc. Donc il y en a un qui a carrément décidé de faire le tour. Passer par l'autre côté, alors que s'il serait passé par là-bas, il serait gagnant, clairement. C'est quand même extraordinaire.
Au lieu de passer par là, il a décidé d'aller à Bubbleway là-bas. Donc il y en a toujours un qui n'est pas, pas passé. Ah. Ah. Ça va passer, ça va passer. Là, il y a eu un petit jump. Donc, je vais baisser mon... Hop. Un truc pour accélérer. Oh, ce jump. Oh là là. Là, il peut en profiter parce qu'il a un... Il a un cyclone qui est tout neuf, tout propre. Alors, est-ce que là-bas, il y en a deux qui sont passés. Ok, ils ont fait full le tour. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Et lui, il insiste toujours. C'est qui celui-là? C'est Indocom. Ah non, mon Indocom. Il n'a pas toujours compris où fallait passer. Donc pour moi, la personne qui pourra passer en priorité, enfin qui devrait gagner, et même qui se situe là, pour moi, là, les deux premiers, c'est Scar ou Lyanna. Voilà. Oh, Mister Lucky! Lyanna Park est quand même troisième. Oh, aïe, 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 aïe. Mon petit Scar qui est premier. Wow. Ça y est, un peloton peut-être qui s'est fait. Mais attention! Attention en parallèle! Désolé pour cette toux. Je suis malade. Mais là, on a un petit duo qui se crée. Et ma foi, ils sont quand même quasiment en même position que le deuxième et le troisième. Scar qui prend une sérieuse avance. Ok. Et je parlais le micro coupé. Autant pour moi. Et là, on a un petit peloton. C'est fait. Je pense que la première place, elle est jouable. Mais. Je vois pas où est Zoni. Il est encore à 10 km. Ils ont fait déjà 5 km. Alors, pour nous qui sommes dans l'espace, ça paraît très lent. En cyclone, c'est un peu moins lent. Je peux vous assurer que c'est un peu moins lent. Je lui file un coup de main, voilà. Je vais retourner le voir vite fait pour lui dire que son. Lyanna, tu peux retourner à ton cyclone, je vais retourner, t'inquiète pas. Oh là là. Tu m'as entendu, Lyanna? De quoi? Tu peux retourner à ton cyclone. Tu peux retourner à ton cyclone, je l'ai retourné. Ah, merci. Ça fait beaucoup de retourner quand même. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais du coup, si votre cyclone se retourne, ne bougez pas, hein, je serai là, je viendrai vous le. Vous retourner avec le F8. Ok. Oh là. Ça marche. Il y a beaucoup de mots bizarres dans une phrase. Ouais, ah, très sexuel, vous, là. Hein. Vous aimez ça, bande de cochons. Donc là, on voit quand même qu'il y a un petit peloton qui s'est fait. Dommage que Asperg, il a perdu son avantage. Il y a un Docom qui revient. Hein. Un Docom qui revient. Hein. Et là-bas, c'est qui, attends? Parce que... Au bout, là-bas... D'accord, c'est le Carag, ouais, bon, il y a personne dedans. Là, il y a Morpheus. Qui doit être à l'envers. S'il ne bouge plus.
Non, il doit avoir un petit lag, c'est pas très grave. Il y a la barque qui reprend le dessus. Un Docom qui refait une remontada. Hein. Je suis déçu parce que le Napark, j'avais fait un petit pari sur lui. Il n'y arrive pas. Un Docom, voilà. Qui passe devant Asberg et qui va talonner Mister Lucky et Yarbonnel. Et bien entendu, Scar qui a 1 km d'avance. Qui en comprend une avance confortable, comme on dit. On va voir ce que ça donne par la suite, parce que la course n'est pas finie, et bien entendu, ça fait que de commencer. Et là, nous, on va prendre un peu d'altitude. Et là, on voit à peu près le peloton. Donc là-bas, tout au bout, on voit à côté du Caracle, un petit phare. Tout petit phare, c'est notre ami Morpheus. Et là, ce qui suit, c'est Mister N. Lucky et Yarbonnel. Et après, Indocom, Asberg, Lena Park. En tout cas, le peloton de tête est fait. Et pour cette course-là, s'il ne lui arrive pas une couille, ça va être très, 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 très compliqué de le rattraper, notre ami Scar. Hein. Parce que le milieu, ils arrivent bientôt au milieu de la course. Ah, j'ai deux messages. Il y a un problème avec le vocal, je suis pas autorisé à parler. Tac, 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 tac. Voilà. Asberg. Ah, Ed. Ok, Asberg. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre avec un peu l'école des joueurs. Tac. Et ça fait au moins 20 minutes, je suis sur un caillou. J'attends qu'il passe un truc. Donc t'es bloqué, Morpheus, en fait, t'as pas un bug. Que bon... Mais vas-y, de toute façon, je suis super loin, je crois. Je vais aller voir. Non, t'es à 2000 mètres de Asberg et 2500 de Indocom. Je crois que c'est Indocom qui est... Que derrière. Alors qu'on était premier au départ. Non. Il y en a un qui a pris une sérieuse avance. Ouais, c'est Scarlito. J'aurais mon max shift avec moi, je me débloquais tout seul. Prochain coup qu'on fait une course, faut qu'on ait ça avec nous. Tac. Ah mais reste dans ton truc, la montre dedans, yes. Et tu me dis si c'est good. Putain, je me fais doubler par Liana, quoi. Oh le bâtard. T'as si quoi dans ce que tu viens de dire? Oh, y'a plus rien à inscrire, hein. Non, je crois que tout a été dit. Je suis coincé sur un caillou. Ah c'est bon. C'est qui est coincé? Non, c'est bon, c'est bon. Ok, donc. Quelqu'un qui m'a touché. Asberg qui reprend un petit peu de chemin sur les derniers là sur Indocom. Et Liana d'ailleurs parce qu'ils sont tous les deux côte à côte. Et au début ça m'a fait rire les gars, je vous le dis hein. Parce que vous avez tous voulu monter la montagne, il y en a qui sont passés à gauche alors qu'ils faisaient 100 mètres sur le côté droit et ça y passait hein. Ah j'ai moi je suis parti tout à gauche. Ah je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont partis tout à gauche. Ouais, j'étais parti à gauche, je suis revenu à droite. Ah là, il y a un petit duel entre Yarbonnel et Mister Lucky. il m'a mis une avance parce que j'ai bouffé un caillou. Parce que je voyais rien à cause de sa fumée. Ah non, non. Même quand on vous dit... Quand on vous dit fumer, tu vois. Et en plus, je tiens à dire, Mister, oh. T'es devant lui. Hein. Alors, tu vois. Ouais, je sais. J'ai dépassé parce que, en fait, je l'ai vu se coincer sur le caillou et j'ai ralenti pour l'aider, tu vois.
C'est qui les points qui sont derrière? Oh la vache. Je crois que je me suis planté de sens. J'allais en marche arrière. Allez, je comprends pas. Plus j'avance et plus je recule. Non mais il y a deux mecs derrière moi, comment je croyais être le dernier. Non, t'es pas le dernier. Je tiens à annoncer qu'il y en a qui vient de passer le checkpoint. Morpheus, il est... Morpheus est bloqué. Non, t'es rebloqué, Morpheus ? Non, c'est bon. C'est donc Donkey Kong qui est passé devant avec deux tonneaux et trois bananes. Il t'en a balancé un. Celui de Peach et de Yoshi. Personne n'a une carapace bleue pour Scarlito. Vas-y, prends le cube. J'en ai une, tu peux la balancer si vous voulez. T'as un missile, vas-y. Allez, 100 000 et tu balances un missile. Ça, j'arrive, Scar, dans une seconde, faut que je te parle. T'as dit tous les coups, ils sont permis. Hein. Ouais, moi je paye 100 000. Et on a le droit de soudoyer le caméraman. Le deuxième, moi, tu vas arriver au checkpoint en plus. Moi j'aurais fait dès que j'ai le point, tu vois, j'aurais fait autodestruct mon véhicule, pouf, je arrive au garage, j'étais premier. Ah oui, arrête. Oh là, la montagne. Non, les cailloux. Il m'a vu me planter en live. Ah ouais, je note. Note ce qu'il faut pas faire. Oh putain, y'a Arborel là, t'es en train de te faire distancer là. Ouais, mais j'ai failli me tuer là, mon gars il a failli perdre connaissance. Ah ouais, et regarde tes rétroviseurs. Ah ouais, Non, il n'y a pas de rétro, mais c'est une façon... C'est façon de dire qu'il y en a qui est en train de lui coller le derge. Ouais, mais là je suis tombé dans une crevasse, ça va être chaud. Ah. Allez. Qui ça qui est tombé dans une crevasse? Du désespoir. Allez. C'est bon, il grimpe, il est motivé, moi. Ah, ils sont énervés, les trucs pour grimper, quand même. Ouais. Il y a combien de participants? T'as dit 8, c'est ça? 7? Il y en a 6, je crois. 6? Ouais. 1, 2, 3, 4... T'as abusé le temps que j'ai perdu. 5, 6, 7. 7. Et toi? Parce que là, il y a l'ordre, il n'y a pas. Donc là, il y a Scarlito, Garilis, Yarbonel, Indocom, Asberm, Mr. Lucky. Moon et LP, c'est ça? Ouais, de toute façon, j'ai tout mis à jour, t'inquiète. Normalement, oh, la crevasse de bâtard! Oh, Liana! Il a doublé notre Yarbonel. Ah, j'y vois rien, je suis derrière, je vois que dalle. Oh. Mister Lucky qui prend ses distances. Ouf. Il est à combien de... Oh, là oh le bâtard! Alors, Scar, au début, je disais que c'était bien pour toi. Si le Mister il continue comme ça, t'es dans la sauce. Voilà. Non, Scar il est déjà passé, il est déjà monté. Non, il est pas encore monté, hein. Il est à 2000 mètres de toi. Hein. 2000 mètres, ouais, je suis gentil même. Hein. Je suis même très. Yana, t'as une info pour passer à droite là? Pourquoi t'es parti à droite? Alors... J'ai entendu une explosion. Une explosion? Ouais. Moi j'ai rien entendu. Mais t'es un peu loin quand même. Bah non. Y'a pas eu d'explosion. Bah ça sent trop mal, t'aurais entendu un mec dire bah j'explosais. Oh ça descend. Enfin, voilà. Essaye. Tu veux que je te pousse, Liana? Non. Ok, je vois les phares de Scarlito. Oh, tu t'es bien rapproché. Ah oui, non, je... J'ai dit qu'il avait rapproché de ouf. Hein. Mon dieu. Aïe. Ah, oui, c'est costaud les cyclones. Ah, ce que j'allais dire parce que j'ai vu ton pseudo, il a fiou. Ouais. Par contre là, ouais, c'est chaud.
Ah, moi je suis encore bloqué sur un caillou. Qui ça, Morpheus? Ouais. Et tu les aimes les caillasses, toi? T'es à combien, Scarlito, de Shepard, toi, là? Oh. Au moins 10 bornes, encore. Assistant sécurité, bonjour! Vous avez demandé un défi d'assistance? Oh, 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 oh. Y'a un pote. Alors, attends. Parce que j'ai le vent qui me... Ah, voilà. Le vent m'a envoyé valser cet enculé. Abusé, le moindre caillou, comment ça te fait faire un... Un vol plané. Zonit, reste un participant à passer devant ton checkpoint. Non, moi aussi. Scarlito premier, ah ouais, merde, suivi de très près par Unlucky. Je pensais que Asbert était passé. Enfin, t'as senti. Je suis en train d'arriver là. Ouais, tu y es presque. Je vois son vaisseau. Oh, je passe dedans. Hein. Non, devant. Juste derrière Unlucky, Yarbonnel. Bon, Lyanna est devant moi, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Lyanna est devant. Passe devant le nez, Iceberg. Juste devant le nez. Un Docom qui revient. Et puis tu continues. Yarbonnel. Yana. Oh là là. Oh là 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 là, t'as un tout petit caillou de... Ah mais y'a un champ de mine devant moi là. Oh là là là, là ça va être mon moment préféré. Ah, oui, j'ai choisi le tracé spécialement, c'est ça? Ah oui, non mais cette partie là, oui. Merde. Putain, je pars dans le mauvais sens, abruti. Là ça va être marrant là. Oh là là. Allez, Scar. Scarlito toujours premier, il y en a un part juste derrière. Fais-moi fais-moi rêver, Lian, Scar, s'il te plaît. Fais-moi. Unlucky, vu de très près par arrière bonne. Oh, ça y va, Pussy. Pussy, Pussy. Oh, je vois rien. Non, mais attends. Après, je remonte pas là-bas. Non, pas de ce côté. Oh là, oh là, oh là. Ah, il y en a qui tentent des dingueries. Hein. Oh, c'est fini pour moi. Explo ? Non, 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 c'est... Tranquille. Oh, oh, t'as perdu. Tu sais pas par où t'es passé, Mister Unlucky, t'es complètement à ma gauche. Oh non, c'est mon aile. Je vais dire, t'as perdu un truc. Ton chemin, il est plus sympa que le mien. Bah, c'est pas mouton, hein. Tout le monde. Je vois un troupeau. Et Loki qui est hors du troupeau. Là, il est complètement à ma gauche. Ouais, c'est ça. J'ai pas choisi le plus facile, j'ai choisi le plus court. Franchement, Scarlett, t'as pris le meilleur chemin. C'est pas moi, ça, déjà que je leur ouvre la route. Mais. Ah oui, putain. J'avais zappé. Moi je te vois pas, t'es loin. Hein. Ouais, non, c'est vrai, pour qu'eux ils te voient, franchement. À part Lyanna, peut-être à la limite. Peut-être, ouais. Parce que Lyanna est juste derrière. Hein. Ouais, Lyanna, ouais, il est à 600 mètres. Il est à 1600, ouais. Non, il est à 600 mètres derrière lui, là, il est en train de monter la colline d'ailleurs. Et Yarbonnel qui est juste derrière. Hein. Ouais, 600 mètres de Lyanna, moi. Après, je sais pas si je vais dans la bonne direction. Un calvaire, les gars, je vous le dis. Cette zone-là, elle est faite pour. Hein. Yarbonnel, c'est bon ou pas? Parce que je te vois pas bouger là-bas. Si, si, moi je roule. Ouais, non, Shaman, pardon. C'est dur, mais. Ok. Je roule. Allez. N'hésitez vraiment pas, quand vous avez un problème, gueulez. Attends, mais je rêve ou t'as Mister Unlucky? Oh le bâtard! Eh, Mister Unlucky qui arrive sur le côté gauche. Oh le bâtard! Je t'ai dit, je prends pas le plus facile, je prends le plus court. Ah ouais, lui il a vraiment été au plus court. Et la tête de ma mère, ça paye, hein! C'est payant, regardant! Il rattrape, là il passe mais le gâteau, il va rattraper Yanapa. Mais non, il est passé deuxième! Bah moi je vois qu'en fait, ils ont 300 mètres de différence en fait. Donc, Nesako peut-être. Il est passé deuxième et il a 600 mètres derrière Scar. En diagonale.
Moi j'ai tapé un. Bah, ouais, là par contre, il est en train de chier dans la colle. il a fait un drift sur lui-même, pas capté. J'ai tapé un micro caillou. Il y en a part. Je sens qu'il va avoir un trou à un moment donné. Hein. Non. Oh la vache. Ah oui, oui, oui. Oh lui, il va te plaindre. Ah lui, je vais le regarder parce qu'il a l'air de vouloir y aller à plein balle. Attends, c'est par où? Liana Park. Qui a réussi à... Qui a pris le quasiment le même chemin que Scar. Yarbonel qui va perdre énormément de temps sur ce qu'il est en train de faire. Hein. Ouais, bah je suis coincé, je crois. Attends, j'essaye de tourner, mais... Allez. Ah, c'est de toute façon, ça va descendre, non? Allez. Ah ouais, ouais, alors ça dépend de quelle façon ça va descendre, par contre, fais gaffe. YOLO. Ça passe ou ça casse? Oh là là là. Oh non, là, j'aurais pu l'éviter, là, t'abuses. Bah, je vois rien, surtout, je vois même pas où je vais. C'est à qui la lumière, là-bas? Qui ça, quoi? Où? Ah, c'est chez Pard. Alors, ils sont où? Il y a Asberg qui arrive quasiment sur la colline. Franchement, on a dû prendre un petit Fury pour moi, comme ça je m'emmerde pas. Et depuis tout à l'heure, c'est pareil, moi j'attends. Je crois que je vais me retrouver coincé à faire ce que je fais. Prochaine étape, je me charge un petit Fury, comme ça je pourrais me balader un petit peu entre temps. Bah non, vu que la prochaine étape, on la recommence direct après l'arrivée. C'est pas grave, ça me prend la prochaine. Oh, c'est quoi ça? Mais de toute façon, dès que Morpheus s'est passé, tu pourras décoller. Ouais, bien sûr. Carlito toujours premier, suivi de Unlucky. Là, j'ai baptisé cette zone les vagues de la mer. Yarbonel, il est coincé. Hein. Ah, attends, je manœuvre. Comment ça, baiser mon. Wouah, Mister Unlucky. Je suis mort. Je suis coincé là. Là, je pense que je sais même pas si tu vas réussir à me sortir. Ah non, trop de gens là, de côté. Là je suis... Ah ouais, t'as pas été de main mort toi. Hein. Oh non, Yarbonel, t'abuses. C'est mon véhicule qui fait n'importe quoi. Waouh. Allez, pilote de l'extrême ou pas pilote de l'extrême? Mais je vois pas Asberg, il est où Asberg là dans tout ça? Oh, moi je suis loin moi. Il a... cherche pas pour me sortir. Hein. Il arrive dans la colline. Non, t'inquiète. T'as pas le... Ça marcherait pas le vaisseau qui tracte là, tu sais, pour sortir les gens? Le RCRV? Ouais. Ouais, je l'ai pas. C'est... bonne idée, hein. Le 300 avec lequel je suis arrivé, il y a un tractor beam dessus. Je suis sûr. On peut pas. Skyl a essayé en arrivant. Ah ouais? Putain, avec le max lift, ça marche. Oh, ça bouge. Bah, je suis bloqué encore. Voilà. Marche arrière. Putain. Attends, parce que j'en ai déjà un là bloqué, j'arrive sur ton Morpheus après. Yes. Après, si c'est trop chaud, va le sortir lui. Parce que là, je suis vraiment bien coincé. Hein. Ah, des véhicules de remplacement là, ou... Ouais, de toute façon, il y en a, mais non, ah, mais là, la grosse, c'est baisé pour toi, je pense. Non, j'ai la tête dans le sol, laisse tomber. là, je pense que, ouais. Tu devras quitter ta zone et attendre Zony. Ouais. Alors, attends, je vais essayer de sortir déjà, voir ce que ça dit. Ah, j'ai réussi à me débloquer, moi. Ok. Oh là là, je crois que je vais mourir en chute. Ça dit quoi? Ah ouais. Ah non, c'est bon. Oh, je me suis débloqué. Ouais, je vais voir s'il y a quelqu'un qui passe avec un buggy, je monte dedans. En passager. Le seul que tu pourras prendre, je crois que ça va être Morpheus, parce que Asberg il est en train de passer. Oh là là. C'est moi que Sonic a redécalé tout, que j'ai remis ça propre. T'inquiète. Mais non. Putain. Stranger in the night. C'est dommage, putain, j'ai passé le truc qui me coinçait, j'étais bien après. Yes. On a partout quoi, c'est un champ de mine. Ah, ouais, mais accélère Morpheus, parce que c'est comme ça que tu te bloques. Si t'arrives à pleine balle, t'as moins de chances de te bloquer quoi. T'as plus de chances de faire toupie, mais moins de chances de te bloquer.
On dirait une maman qui fait avancer son bébé. Arrête. En fait, gaffe les gars, parce qu'il y a une montagne, elle est méchante après. Quoi, il y a une deuxième montagne méchante? Non, non, il n'y en a qu'une seule. Celle où j'ai perdu mon véhicule. Parce que moi, je rage quitte là, c'est bon. Non, 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 une seule, c'est bon. Je suis pas ça de base quand même, calme-vous. On est en colère. Non mais gros, où il a été bloqué, franchement. Franchement, on respire. Vas-y, je fais à pied, t'inquiète. Ah, je t'aurais bien proposé de monter avec moi, mais... Ouais, c'est un monoplace. Non, non, c'est interdit au gauche. Ah, le bâtard. Quel enculé. Ah, donc, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, caillou sauvage. Ok. Il va jamais réussir à descendre la montagne, il va se rétamer avant. Moi je pourrais pas le chercher parce que j'ai un C2. C'est ah, bon. LP qui rattrape un Loki. Ouais, Mister. Scar qui a repris son avance. Ah ouais, ah. Il m'a mis tôt là. Je vois la lumière de Scarlito qui arrive. L'arrivée est très très proche pour un des concurrents. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a Asberg, si tu veux, tu peux faire du stop, Yarbonel, il te prendra, je pense. Ouais, si tu me croises, je te vois à 1000 mètres. Ok. Attends, j'ai perdu... Okay. Si tu meurs pas dans la montagne... Demande-le clairement avant. Le gagnant, ce sera dans la montagne, les deux pieds et les deux mains dans la merde. Il descend la montagne à cheval. Ouais, c'est ça, ouais. Et il est dans une crevasse. Mais bon, il s'en sort. Et il retombe dans une autre crevasse. C'est pas de bol. Là, je vais rester pas loin de l'arrivée parce qu'il va y avoir 3 qui est arrivé d'un coup quasiment. Bon, moi, je vois plus rien. Je sais même plus où je suis là. Oh putain, je suis dans le mauvais sens. Bah alors, Asberg, on va retourner des top départ. Non, c'est j'ai ça. Pas aimé mon départ, je recommence. Et je fais mon Zoni. Sans surprise, là. Ah, c'est dommage, j'étais bien parti. Je vois les phares de Morpheus. Quelle saloperie, putain. Attends, parce que là... Y'a un trou, Iceberg, tu descends. Ouais, y'a un trou, ouais, je confirme. Boum. Putain, je vois tes phares de loin, là, et... Attention. Ouais, du coup, Scarlito qui arrive en première position. Bien joué. Morpheus. Ah, il connaît la map aussi. Oh, je vois Iceberg là, ça fait des... Ah oui, non, mais moi je te descends le truc... Il fait pareil, mais... Non, bah t'as pas fait pareil. T'as pas la fait pareil. La montagne a gagné, quoi. Toi, t'as vu un trou, t'as dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah non, je voyais plus rien du tout. Ça descendait tout seul. Serre à gauche, Morpheus, si tu peux, viens par la gauche. Tu m'avoies. Ah. M'écrase pas hein, quand t'arrives, hein, m'écrase pas. Hein. Bah ouais, il manquerait plus que ça. Et en plus, tu me demandes de pas t'écraser. Bon, bah on a notre petit top 3. Bah, je pense que même si quelque chose arrive à Lena Park, il est. Non, ouais, il est tranquille en vrai. C'est dommage, j'étais juste à côté de lui, quoi. Ouais, jouer, hein, toi. Un astéroïde peut tomber à côté de Morpheus, le propulser jusqu'à. pour 1000 euros PayPal, je le fais, hein. Putain, ouais. Coucou les gars. En tout cas, Asberg, il est sûr de gagner de place. C'est ça. Je suis là. Ah. Here we go. S'il vous plaît. Mais c'est une blague. C'est bon. Allez, vas-y, monte. Alors. Vas-y, c'est bon. Merci. C'est beau de l'entraide. Vous avez vu la camaraderie, ce que ça fait? Ça donne des points supplémentaires. Eh oui. Qui a dit ça? Qui t'a osé dire une dinguerie comme ça? Quoi, on est les gardiens de l'univers, les sauveteurs de la galaxie, non? Ah, il marque un point. Ok.
Mais on est aussi le tueur, donc faut faire gaffe. Alors, à savoir que vous n'avez pas le droit de changer de... À part là, il y a Narbonnel, parce qu'il a perdu son cyclone, mais autrement, vous n'avez pas le droit de changer de... Cyclone. Je finirai la course à pied, tu passeras devant et j'irai après. Mais il est où, Scarlito, là? Alors, Morpheus, il a pas envie de passer par le checkpoint. Ah, il compte sur le rocher. Ah ouais, putain, je te jure, j'ai galéré à trop. Zony, Morpheus, il est passé ou pas? Non. Ouais, il est derrière. Non, mais tu peux décoller, Zony, de toute façon, vu la place de Morpheus, il peut y aller tout droit. Il est dernier d'une façon ou d'une autre, donc... Alors... Faut prendre quelqu'un au stop au passage. Du coup, il a été récupéré. S'il y en a un... S'il y en a un à prendre, je pense que ce sera Morpheus à prendre en sauvetage dès que les autres auront fini. Tu rigoles, je pense que si la course aurait fait 20 km de plus, il y aurait eu des surprises, hein. Parce que Dokkom, là, il est en train de pétaler dans la smoule, hein. Et tout ça que j'ai pas dans ton vaisseau? Ouais. Pourquoi? Ils sont où les deux qui sont arrivés? C'est dans Cyclone. Ils sont là? Ouais, c'est dans Cyclone, hein, Liana. Ils sont dehors, à côté de toi, pas loin de toi. Hein. Je les vois pas, je vois pas les pings. Moi aussi j'ai galéré, t'inquiète. Ils sont sur les roues. Ah, regarde, je me mets devant eux là. Ils sont. Pourquoi? Parce que t'as vu F4, c'est pour ça. Ils sont camouflés. Et heureusement que j'ai des mètres peine, hein. Wow, ah, tu m'as dégagé. Tu m'as dégagé. Oh, je dirais pas que c'est le but, d'accord? Oh, il m'a défoncé. J'ai volé pendant au moins 10 minutes, genre. Ah non, mais c'est le vent, hein. Putain, mais toi, par contre, attends, mais Scar, pourquoi tu voles pas quand je viens? Parce que je suis accroupi. Ouais, parce qu'il a mis... Il triche. Cheater. Bouh. Non, mais déjà, il y a du vent, donc je m'accroupis direct. Par réflexe. Un Dokkom qui arrive. Saloperie. Il a rien à foutre, il est resté assis pendant qu'il tombait. Un Dokkom qui arrive. Je pense, Zony, tu peux récupérer Morpheus avec toi. Ok. Oui, c'est pas que t'es nul, mais bon. T'arriveras vivant. Ah, mais toi, je suis resté 30 minutes sur un caillou avec une communication, alors. Il a fait Patrick l'étoile de mer. Pour sa défense, c'est vrai. Et pourquoi tu m'as pas envoyé un message aussi? Bah, mais j'ai fini par t'envoyer un message. Au bout de 3 heures. Tu sais que Asberg il est resté bloqué quelques minutes et c'est Zony qui a envoyé un message à sa place, hein. T'aurais pu demander à Zony. J'ai envoyé un message moi sur le jeu. Ouais, mais moi j'ai le chat coupé. J'ai envoyé un message in-game aussi direct. Ah oui. Même que la course démarre. NSJ, ouais, au secours. Non, c'est tout, c'est que t'écoutes pas, c'est tout. Non, je suis en F12, excusez-moi, il y a le live, le rec. C'est pour éviter le stream hack. T'es en train de monter le chemin à Scarlito, tranquille, en douce, là. Quoi? Non, non, mais c'est bon, ouais. Oh, l'enculé, il m'a défoncé. Ouais, je suis là, les gars, vous savez. C'est que j'étais très peur de Xcar, hein. Je te dis, qu'est-ce que tu fais par terre? Y'a Unlucky, mec, il est en train de jouer la carpette. Mais non, mais en fait, faut passer devant le vaisseau pour être. Ouais, faut pas foncer dedans. Hein. Oh. Je suis passé devant, il y avait des cailloux. Et bah, t'en as J'ai évité les cailloux, putain. Personne qui peut me